Ici, c'est l'usine de l'alcool traditionnel, là, sur le vin sauvage qu'on fait, là, Ngolongolongolo. Ça, c'est le manioc et le maïs. Oui. Mélangé avec le sucre et l'eau. Et l'eau. C'est ça qui forme le Ngolongolo. Quand les Baka ils n'ont pas ça ici à côté, et ils sont très bien calmes, que tu comprends. Si l'autre ici arrive chez eux, qu'il prend ça, il met dedans, on veut beaucoup consomme ça. Mais vraiment, trop de désordre, il nous a les bagarres, les injures, les autres. Les blessures. Les blessures partout. On a envoyé celui-ci, celui qui est Kaol, avec un fagot du bois. On lui est trompé, avec ce fagot du bois, on lui a donné le Ngolongolo. Il a bu juste un peu. Le gobelet est plus sale. Les femmes bantous ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas. Rien que les Baka c'est seulement les Baka qui travaillent pour eux. C'est dommage. À cause de Ngolongolo. On doit y voir l'exemple, on peut prendre l'exemple comme tous les champs de cacao, sous les champs de cacao ici, oui. Vendus et alloués partout. Tout ce qui se passe, c'est seulement le Ngolongolo. Je suis en train de descendre face aux brancheries de Ngolongolo, à côté du rivière Makoka, chez nous. À l'époque, c'était propre. Si vous voyez maintenant tout ces saletés qui est dedans, que vous êtes en train de voir là, c'est grâce les femmes bantous qui font le vin sauvage là. Ces ontés qui amènent la saleté dans l'eau. Et si ça sent. Et c'est ça que vous voyez que ça sent comme ça là, ça sent mal. Tout ça, c'est ça qui donne les vaches à la maladie. La saleté partout ici, il n'avait pas la saleté en l'époque. D'accord. Tout l'affaire du Ngolongolo, toutes les choses utilisées ici, là, c'est sale. Vraiment. C'est ça qui nous rend les maladies, nous les Baka. Je peux vous expliquer quelque chose. Avec tout ce que vous voyez ici, là, avec ça, c'est grâce à ça que les Bantous, ici à l'Est, vivent bien. Tous les commerces, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Le gouvernement doit interdire ça. Tout ce que tu vois qu'ils sont en train de tromper les Baka, prendre les choses des Baka, on ne connaît même pas la dose de ça. C'est ça. Même le degré de ça, on ne connaît pas. C'est pas. Trop fort que tu comprends. Et ça veille. Bon, maintenant, on veut que le gouvernement doit nous sauver. Pour nous interdire le Ngolongolo au pays. Et si le gouvernement n'interdit pas le Ngolongolo aussi, nous les Baka, on va finir.